Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un cours, le résumé, bien l'essentiel du cours d'IPIL. Donc, c'est un cours de chimie. Ce cours est réservé pour les élèves de la deuxième année baccalauréat SVT, PC, SM. Donc, dans ce cours, on va, dans cette première partie de cette vidéo, je vais parler premièrement du critère d'évolution d'un système chimique et après je vais bien sûr parler de transfert spontané des électrons. Donc pour le critère d'évolution d'un système chimique, donc le système chimique évolue spontanément vers l'état d'équilibre, son quotient de réaction tend vers la constante d'équilibre K. Et on va bien sûr distinguer trois cas. Donc, trois cas se présentent. Le premier cas, c'est QRI est inférieur à K. QRI étant le quotient de la réaction à l'état initial. Et K, c'est la constante de K. C'est la constante d'équilibre. Donc, si QRI est inférieur à K, le système évolue dans le sens direct. Dans le sens des direct. Deuxième cas, CQRI égale à K, le système n'évolue pas. N'évolue pas. Et pour le troisième cas, CQRI est supérieur à K, le système évolue dans le sens inverse. Donc ici, ce schéma récapitule les trois cas. Donc ici, le sens est direct, et ici, le sens inverse. Donc, je récapitule. Donc, si QRI est inférieur à K, donc le système évolue dans le sens direct. Si QRI est supérieur à K, le système évolue dans le sens inverse. Et c'est la première question qu'on vous donne, bien qu'on vous pose dans l'examen. On vous donne d'après le site. Donc, en appliquant le critère d'évolution d'un système chimique, montrer le sens d'évolution, le sens d'évolution. Est-ce que le sens direct ou bien le sens inverse? Je passe maintenant au transfert spontané d'électrons. Donc, bien sûr, les piles nous donnent de l'énergie électrique, bien sûr, et ça à cause, ou bien selon des réactions d'oxydo-réduction. Donc, l'oxydo-réduction, il y a transfert des électrons. Donc, l'application des critères d'évolution spontanée permet de connaître le sens transfert direct ou bien indirect des électrons. Donc, ça. Deuxième partie de cette vidéo, je vais parler de la constitution d'une pile. De quoi est constituée une pile? Donc, premièrement, j'ai résumé cette partie dans quatre points. Premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, je vais commencer avec le premier point. Donc, une pile convertit quoi? Convertit l'énergie chimique, en énergie électrique. Donc voilà, c'est le rôle de la pile. Donc il convertit l'énergie chimique, bien sûr, grâce aux réactions d'oxydo-réduction, bien grâce aux réactions chimiques. Donc, une pile convertit l'énergie chimique en énergie électrique grâce au transfert spontané indirect d'électrons entre les deux couples oxydo-réduction via un circuit extérieur qui est constitué, par exemple, des fils et d'un ampèremètre ou bien d'enveloppe. Je passe au deuxième point. Une demi-pile est constituée d'un fil, soit on utilise un fil ou bien une plaque métallique appelée électrode. Donc, la plaque ou bien le fil, donc on
on les appelle électrodes, plongeons dans un électrolyte. Bien sûr, l'électrolyte, vous avez vu ça en tronc commun, c'est la solution qui conduit le courant électrique, qui contient les ions métalliques et le siège d'une réaction d'oxydation ou bien de réduction. De réduction, bien sûr. Je passe au troisième point. Une pile est constituée de deux demi-piles. De deux demi-piles. De deux demi-piles. Chaque demi-pile contient l'oxydon et le réducteur d'un couple. Donc, chaque demi-pile contient l'oxydon et le réducteur d'un couple. Les demi-piles sont reliées par un pont salin. Par un pont salin. Je vais bien sûr revenir au rôle de ce pont salin. Je passe maintenant au dernier point. Ce sont les mouvements spontanés des porteurs de charge qui assurent le passage du courant électrique. Parce que le courant électrique est dû au mouvement des porteurs de charge dont les fils, ce sont les électrons, et dont les solutions, ce sont les ions, soit les cations ou bien les anions. Donc, les électrons se déplacent dans les électrodes et le circuit extérieur de l'anode vers la cathode. Donc l'anode c'est le moins, c'est le pôle moins, et la cathode c'est le pôle plus. Et concernant les cations, du pont salin se déplace vers la demi-pile cathodique, donc puisque plus cations ce sont des plus, vers la cathode qui est le plus, et les anions vers la demi-pile anodique. Donc toujours dans la partie de la constitution d'une pile, voici le schéma expérimental d'une pile fer-cuivre. Donc voilà la première demi-pile. Donc il est constitué principalement d'une lame de fer plongée dans un électrolyte de sulfate de fer 2. Et la deuxième demi-pile est constituée d'une lame de cuivre qui est plongée dans une solution de sulfate de cuivre 2. Et les deux demi-piles sont reliées par un pont salin qui contient les K+ et les Cl- par exemple. Maintenant, on va parler des réactions aux électrodes. Donc on a cette électrode qui est la lame de fer. Donc c'est l'électrode qui va subir l'oxydation. Pourquoi? Parce que le fer va s'oxyder pour donner les Fe de plus. Et je signale ici pour le circuit extérieur. Voilà le circuit extérieur. Il est constitué d'un milliampère mètre et d'un conducteur ohmique de résistance R pour éviter le court-circuit, bien sûr. Donc, regardez ici le milliampère, sa borne. Donc, la borne négative, c'est le com, il est relié à la lame de fer et par conséquent, c'est le pôle moins. Et l'autre pôle, c'est plus. Bon, bien sûr, on va voir ça lorsqu'on va parler du schéma conventionnel. Donc, je passe. La réaction aux électrodes. On distingue, bien sûr, deux réactions. Donc, l'oxydation qui se déroule au niveau de l'anode. Donc, l'anode est le siège d'une oxydation selon la demi-équation. Donc, la demi-équation, le fer va s'oxyder. Donc, le fer Fe solide va donner les Fe de plus 2 électrons. Ici, A+. La cathode est le siège d'une réduction. Donc, les Su de plus 2 électrons vont se réduire pour donner le Cu solide. Ça veut dire qu'on va voir un dépôt ici au niveau de la lame de cuivre. Maintenant,
On passe au rôle du pont salant. Donc, elle permet d'assurer la fermeture, du circuit et la neutralité, de chaque électrolyte. Donc, je répète, quel est le rôle de ce pont salant? Donc, le pont salant permet de fermer le circuit. Premièrement, il va fermer le circuit. Et le deuxième rôle, il va assurer la neutralité des deux solutions par l'immigration des ions, soit de K+, donc le K+, donc ici, on a le plus. Donc, le courant va circuler dans ce sens. Donc, voilà, les K+, ils vont passer comme ça. Et les Cl- dans le sens contraire, parce que le sens des électrons, c'est toujours le sens opposé du courant électrique. Donc, pour le schéma conventionnel d'une pile, donc le schéma conventionnel de la pile fer-cuivre est le suivant. Ici, le pôle moins, c'est le fer. Donc, premièrement, je vais symboliser le pôle moins ici et le pôle plus ici. Et au milieu, deux traits, le double trait qui représente quoi? Qui représente tout simplement le pont salant. Et ici, slash. Maintenant, le pôle moins, c'est quoi? C'est le fer. Donc, je mets Fe. Et le pôle plus, c'est Cu. Donc, on remarque que les électrodes qui apparaissent aux extrémités de la schématisation. Donc, le fer est. Et je complète. Donc, Fe, donc ici, c'est le Fe de plus. Et ici, c'est le Cu de plus. Voilà le schéma de la pile fer-cuivre. Passons maintenant à l'étude quantitative d'une pile. Donc, c'est la partie de calcul. Donc, dans cette partie, bien sûr, premièrement, je vais donner l'expression de l'intensité du courant débité par une pile. Et après, on va voir la quantité d'électricité maximale débité par une pile. Donc, je commence par l'expression de l'intensité du courant débité par une pile. Donc, on suppose que l'intensité du courant reste constante. Au cours du fonctionnement de la pile. C'est pour cela qu'on va noter le I majuscule. Donc, on sait que, à quoi est égal I, donc vous avez déjà vu ça, c'est Q sur delta T. Q, c'est la quantité d'électricité et delta T étant la durée. Or, à quoi est égal Q? C'est égal à le N, c'est le nombre des électrons qui passent par une section de du conducteur, fois petit e. C'est quoi petit e? Étant la charge élémentaire. Et on a Ne, c'est le nombre N des portes sur Na. Donc je vais remplacer ici. Donc Ne, donc N égale à Ne fois Na. Donc Q égale à Ne, Na, fois E, fois donc ici, alors Q égale à EN, le N c'est NE fois NA, le NE, ici c'est le NE, pardon, c'est le NE, fois le NA, fois petit E. La quantité NA fois E, c'est le Faraday. Donc, je remplace, c'est F fois NE. Donc, ici, on va appeler la relation 1, et ici, c'est la relation 2. Donc, je répète, Q égale à N fois E, et la quantité
de matière des électrons transférés, c'est N sur Na. Donc, N égale à Na fois Ne, Na fois Ne multiplié par E. La quantité Na fois E étant le Faraday. Donc, la grandeur F égale à Na fois E s'appelle le Faraday, qui désigne la quantité d'électricité transportée par une mole d'électrons. Avec, donc, on vous donne toujours ça dans les examens, 1 Faraday égale 9,65 fois 10 à la puissance 4 coulomb par mol. Donc finalement, donc à partir de la relation 1 et 2, donc on conclut que I égale N, donc c'est le N au moins, fois F sur delta T. Donc le N au moins, donc je remplace ici par N au moins fois F sur delta T. Delta T, bien sûr, c'est la durée en secondes. Et N au moins, c'est la quantité de matière de les électrons en mol. Et bien sûr, F étant le Faraday en coulomb mol moins 1. Et pour la, le coulomb électrique, l'intensité du coulomb électrique, c'est bien sûr en ampère. Donc, le coulomb en ampère. Le N au moins en mol, delta T en seconde et F en coulomb mol moins 1. Je passe maintenant à la quantité d'électricité maximale débitée par une pile. Donc la pile est usée, donc lorsqu'il débite sa quantité d'électricité maximale, donc il est usé. Et sa quantité d'électricité maximale, donc on va déterminer à partir de cette relation, donc Qmax, donc on l'appelle Qmax. On l'appelle Qmax égale, c'est puisque I est toujours constant, donc I fois delta T max. Delta T max, voilà. Donc lorsqu'on vous donne, on vous demande de déterminer la quantité d'électricité maximale, c'est avec cette relation qu'on calcule cette quantité d'électricité maximale débitée par une pile. Donc, le dernier paragraphe, c'est le tableau d'avancement. Donc, ici, il faut signaler que tous les constituants sont présents. Donc, c'est un tableau général. Donc, on va considérer la réaction AREV1 plus BOX2 va donner COX1 plus DREV2. Regardez ici, j'ai mis ici la quantité de matière d'électrons, bien sûr, échangée. Donc, l'état initial et final, donc j'ai se contenter ici de deux états, initial et final. Donc l'avancement à l'état initial c'est 0 et à l'état final c'est XF. Mais vous pouvez trouver X, on peut utiliser seulement X parce qu'on va bien sûr considérer que la pile va fonctionner pendant une durée delta T. Donc pour la quantité de matière du premier réducteur, c'est N1, donc on va considérer ce que c'est N1. Ici, c'est N2. Regardez, ici, c'est N3. C'est pas 0, 0. Faites attention. C'est N3, N4. Et pour N au moins, c'est 0 parce qu'à l'état initial, on n'a pas de transfert d'électrons. Donc, que se passe-t-il à l'état final? Donc, N1, bien sûr, on va retrancher à XF. Et N2 moins BXF. Et N3, bien sûr, plus, parce que ce sont les produits, plus C, XF, et pour le D, pour le RF2, c'est N4, plus D, XF. Pour le N en moins, bien sûr, c'est alpha fois XF. C'est quoi le alpha? C'est tout simplement le nombre d'électrons échangés pendant cette réaction. Donc, N alpha, le nombre d'électrons simplifié lors de l'écriture de la réaction. Donc, on va considérer l'exemple qu'on a déjà fait dans le cours, c'est Fe solide plus Cu de plus va donner Fe de plus Cu solide. Ici, Ac. Ici, c'est Ac. Donc, on va diviser en 4, comme ça. Voilà. Donc, on va utiliser Ni de
Fe. Et pour les Fe de plus, ce sont les ions. Donc, c'est Ni2Ce de plus. Ou bien N0, c'est la même chose. Ni2Fe de plus. Et Ni2Ce. Ici, c'est 0. Que se passe-t-il en cours? Donc, l'avancement prend la valeur x. Donc ici, c'est Ni de Fe moins, parce que ici, nos coefficients 1, donc c'est x, moins x. Et ici, c'est le Ni de Ce de plus, moins x. Et ici, c'est plus. C'est Ni de Fe de plus, plus x. Et Ni de Ce plus x. Ici, bien sûr, que le nombre des électrons transférés, c'est 2. Donc, c'est 2 fois x. Et pour l'état final, il suffit de remplacer le x par x final. Xf, Ni de Fe moins xf, Ni de Ce de plus moins xf, le Ni de Fe de plus, plus xf, et le Ni de Cu plus xf. Ici, c'est 2xf. Donc, à la fin de cette vidéo, je signale que vous trouvez en description de cette vidéo, premièrement, le cours complet, et deuxièmement, la série des exercices. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.